Alors, pour en revenir à l'histoire de Kaaris versus Booba, il y a un truc qui m'intrigue. Souvenez-vous, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'avait dit Maître Gims? Il avait promis la fin de carrière de Booba, si on se souvient bien. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, dans une vidéo, il avait dit qu'il mettrait un terme, qu'il allait faire des invocations. Alors, est-ce que c'est la prophétie de Maître Gims qui se réalise? Je ne sais pas, on se pose des questions. En tout cas, c'est bizarre. Après, c'est vrai aussi que... Bon, c'est pas la première fois que Booba fait ça, mais cette fois-ci, ça va lui coûter cher. Quand même, je vois 7 ans de prison, il risque, lui et Kaaris. Donc, on se pose la question. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, évidemment, évidemment, monsieur au tribunal, monsieur Booba, dit qu'il regrette, voilà, que c'est pas une bonne image qu'il a donnée. Oui, mais c'est pas la première fois. Est-ce que c'est sincère même d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment, il est sincère quand il dit ça? Bon, on veut bien le croire, hein. Peut-être qu'il a trouvé la raison là, tout d'un coup là. Mais voilà. Quant à Sidiki Diabaté, bon, toi, ça va pas trop là. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu commences à jouer les gangsters là. Franchement, vaut mieux que tu te la fermes un peu. Hein. D'accord? Allez, ciao, ciao.